Fait extrêmement chaud. Les Gangaba. Là, j'ai. Hein, depuis le matin, je voulais m'adresser à ma très chère maman. Nous sommes venus baptiser un enfant là, à Milan. Vous savez, Imam Boukanti, il est dans beaucoup de domaines. On est venu baptiser un enfant. Donc, on a fini de manger, on n'a pas encore fini lecture coranique, on n'a pas encore fini de faire toutes les prières. Donc, pendant que les gens mangent, j'ai profité de venir faire cette petite vidéo à cette place publique-là. Parce qu'il fait extrêmement chaud ici. Bipez-moi, ma très chère maman Aïcha Koné. Bipez-moi, maman Aïcha Koné. Vous savez, dans la vie là, ni temiye, ikaneyereko quoi. Ce que tu n'as pas là, il ne faut pas dire que tu as ça. Tu n'es rien, tu n'es qu'un petit, une petite fille sale, djoula, qui ne peut pas laver ses calissons. Ouais. Apparemment, le problème de Aïcha Koné à Fouquayita, on a déjà passé ça, c'est fini. Parce que maman Aïcha Koné refuse d'écouter son fils Gangaba. Même matin là, j'ai appelé maman. Maman, s'il te plaît. J'ai vu des vidéos sur TikTok hier à travers ma femme parce que moi, j'ai décidé de ne pas aller sur TikTok à cause des petits fils sales du là. Parce que tous les enfants des Dramans, les filles des Dramans qui sont venues sur bateau là, ils sont tous sur TikTok. Les djoulas sont plus nombreux sur TikTok que les Bousmani. Parce que c'est la médiocrité. C'est une ethnie qui fait la promotion de la médiocrité. C'est pourquoi les petits fils sales djoulas là, sur TikTok là, qui ne peuvent pas laver les caleçons là. J'ai vu leur vidéo hier sur ma très chère maman Aïcha Koné, la diva de musique mandingue. La diva de musique ivoirienne et africaine. J'ai été choqué. J'ai partagé la réponse de maman. Je lui ai supplié de ne pas répondre. Maman Aïcha Koné, si ce n'est pas Djoula, Aïcha Koné a commencé à chanter, Afou Keïta n'était pas encore né. Est-ce que vous comprenez ça? Maman Aïcha Koné a commencé à chanter, Afou Keïta n'était pas encore né. Mon très cher grand frère Torna se reçoit et salue. Ange fidèle, big respect à vous. J'ai vu des vidéos de petits Djoula, des petites filles Djoula sales, sales. Sur TikTok hier, qui ne peut même pas laver les caleçons. Caleçons là, il ne peut pas laver. Ils sont venus. Maman Aïcha Koné, oui, ce n'est pas Aïcha Koné qui cherche, c'est Draman qui cherche. Le sacrifice de Koné, Amena Boilaya, Amena Doya. Maman Aïcha Koné, ce n'est pas Afou Keïta, c'est Draman. Hey, votre Afou Keïta là n'est rien. Maman Aïcha Koné a ramassé Afou Keïta dans poubelle. Elle doit son succès à Draman. Elle ne sait même pas chanter. Musique mandingue là, moi, elle peut chanter. Musique mandingue là, moi, elle peut chanter. En Djoulakan, il n'y a rien dedans. C'est pourquoi vous ne verrez jamais Gangaba s'asseoir et écouter une musique mandingue. Ça ne m'intéresse pas. Maman Aïcha Koné a commencé à chanter avant que Keïta n'était pas encore né. J'ai vu des vidéos hier sur TikTok. J'ai dit, maman, s'il te plaît. Ne réponds plus à cette cafard, Aïcha et Afou Keïta là. Ne réponds plus à cette cafard. Un cafard, Afou Keïta, et c'est souverain. Afou Keïta n'est rien. Elle doit son succès à Draman. C'est tout. Draman quitte au pouvoir demain. Afou Keïta est fini. Maman Aïcha Koné a commencé à chanter depuis le temps de Foy Boigny. A tout donné à la Côte d'Ivoire. TikTok là, je ne vais jamais aller là-bas à cause des filles Djoula là. À cause des Djoula là, moi je ne vais pas sur TikTok. Ça ne m'intéresse pas. Et remarquez, hein, les Djoula sont plus nombreux sur TikTok que les Bousmani. Les Bousmani n'ont pas le temps de cette médiocrité là. Des matins jusqu'à le soir, c'est les filles Djoula sales là qui sont sur TikTok, qui sont venus sur bateau. Ils ont osé hier à s'apprendre à maman Aïcha Koné violemment. Vous comprenez? J'ai été choqué. Matin, je me suis réveillé, j'ai appelé maman. J'ai dit, maman, s'il te plaît. Afou Keïta, sa maman Kumba là, elle n'est rien. Voilà, telle mère, telle fille. Afou Keïta est l'image de sa mère, maman Aïcha Koné.
à travers toi-même, moi, j'ai connu le nom de maman de Afukaita Kumbala. Parce que tu as fait une vidéo, tu as dit son nom. Moi, je ne savais même pas que Afukaita, sa maman s'appelle Kumba. Maman Aïcha, s'il te plaît, tes enfants t'aiment beaucoup, tes petits-enfants, nous t'aimons beaucoup, maman. Maman Aïcha Kone, s'il te plaît, tes petits-enfants, tes enfants, on t'aime beaucoup. J'ai des mal, très mal, de voir une petite fille sale, une petite fille Djoula qui a fui le pays. Elle est sale, elle ne peut même pas laver ses calissons. Elle va venir sur TikTok pour venir t'insulter. Voilà, la Côte d'Ivoire est tombée bas. Maman Père la Camara, soyez saluée. Je ne sais pas à quelle heure je vais quitter ici. Nous sommes en plein quai de Milan. Je suis sorti pour venir faire cette vidéo. J'ai eu Maman Aïcha matin là. Maman Aïcha n'écoute pas son fils. J'ai dit, maman, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Laissez les animaux, laissez les cafards sortir, raconter la vie. Maman Aïcha, tu as commencé à chanter. Afukaita n'était pas encore née. Sa maman Kumbala, elle doit sa succès à toi. C'est pas pour rien, vous êtes amis. J'ai vu ta vidéo, j'ai partagé. À cause de sa fille, tu as dit que vous n'êtes plus amis, l'amitié va s'arrêter là. Mais Kumba peut t'a rapporté quoi? Kumba est l'image de sa fille. Quand il y a eu problème, elle allait fumer Poupouna pour venir te clasher là. Kumba s'est déplacé pour aller chez toi à la maison, pour aller te demander pardon. Deux jours après, sa fille est venue s'asseoir sur le plateau de Pipolomique. Il dit qu'elle s'en gaba, que ce n'est pas elle qui a envoyé sa maman chez toi. Donc le pardon là, Afukaita se reconnaît. Hey, arrêtez de blaguer les Ivoiriens. Afukaita n'est rien. Afukaita n'en est niente, Kolali. Elle n'est rien devant maman Aïcha. C'est-à-dire les Ivoiriens sont devenus un peu plus de médiocrité. Si ce n'est pas la médiocrité, comment on peut comparer Aïcha Kone à Afukaita? Ils sont tombés à terre. Et j'ai vu des petites filles de la salle, sale, sale là, qui ne peuvent même pas laver les caleçons. Ils vont venir s'asseoir. Ah, hein, il est là, Kolo, il a Sragaye, il était à Foucault, il est à la salle de corps. Votre à la salle là, il n'est rien. Ne le cas à la salle, avec les armes à la main. Vous comprenez? Aïe, Alassane, ni, ne le cas. N'a élection frôlée. Alassane, ka victoire d'Ama. Ama gagné, moi gagné. Ne le cas Alassane, blafanga naï. Akamea. Aïe, en tohere là. Aïe, maman Aïcha, il katoï. Anga marfata, à lui Alassane. Alate, Alassane n'est pas Dieu. Sans les armes, Alassane n'allait pas être candidat. C'est la jeunesse du Nord. À nous le cas marfata, Alassane Kosson. Entre l'élection là, Alassane m'a fouillé gagné. Anguante marfabla. Faye si fangara, asila fangara ni marfaye, walay bilay. Anga marfata, ko Alassane Ivoirien, koko wai, ko Ivoirien li. Anguante marfabla, babo koko bon, avec un candidat. Entre la candidat la, Alassane, entre l'élection la, Alassane m'a fouillé gagné. Anguante marfabla, Alassane lebe si fangara, quittez devant nous ici, arrêtez de nous emmerder, votre Alassane n'est rien devant Aïcha. Aïcha connaît la manger à Ofoy, il a embrassé Ofoy. Ofoy qui a fait venir Alassane dans Côte d'Ivoire là. Ofoy a mangé à Alassane. Et pardon, Ofoy a mangé à Aïcha Kone. Sa femme là, elle connaît Aïcha Kone. C'est pas votre bêtise là. Maman Nathalie Da Silvino, ton petit frère se retrouve en plein cœur de Mila. Imam Boukanché, je suis venu baptiser un enfant là. On a égorgé le mouton, on a fini de manger. Nous avons fait des prières. Comme la maison, elle est tellement remplie, je suis sorti un peu. Pour venir m'asseoir dans ce jardin public là, voilà, pour prendre du lait un peu et profiter de m'adresser à ces animaux là. J'ai pleuré hier à travers la vidéo de ta belle-sœur, parce que ta belle-sœur elle est sur TikTok. Elle dit, mais Zoom, chérie, tu peux pas dire à ta maman Aïcha d'arrêter de répondre à ces animaux là maintenant là. Tu peux pas le dire. J'ai dit, mais j'ai pas là avec maman. J'ai pas là avec maman. Maman ne m'écoute pas. J'ai même appelé maman Aïcha. Je lui ai fait passer. Sa belle-sœur, ils ont causé. Il dit, maman, le petit-fils sale, le petit-fils Djoula sale, sale, là, qui sont nés hier, qui ne peut pas laver les caleçons, sur TikTok, ça prend à ma très chère maman Aïcha Kone, de façon négative, de façon violente. Je ne comprends pas. À cause de Draman, oui, il était à Aïcha Kone, il était à Foucault, il était à Alassane, le quoi, votre Alassane, là, il n'est rien. Selon les Alassane, Blafangan, naï. Vous savez, moi, ici, musulman, imam, élection de 2010, Alassane Mafou il gagné. Il n'a rien gagné. Ango Ante Marfa Bla. Jom Soro dit, il ne dépose pas les armes, il est président. Marfa le Kaya Alassane Blafangara. Ayan Tohare là. Ayan Tohame respirer. Laissez-nous respirer un peu. Oui,
était à Foucault, il est à la salle de l'école, hein, quand on ils vont aller insulter maman Aïcha jusqu'en bas de son caleçon. Hé, hey, remarquez, jusqu'à votre mort, vous n'allez jamais voir une fille Bousmani faire un tel injure, jamais. Je vous le dis, une fille Bousmani, quelle qu'en soit la colère contre Aïcha Kone, elle ne veut pas insulter ses dessous. Insulter jusqu'en bas de sa caleçon, celle qui est âgée que ta mère, c'est la malédiction. Maman Aïcha, cette vidéo-là, je vais t'envoyer. Savary, il y a longtemps, je t'en supplie. Tu es une diva. Tu ne peux pas venir sur Facebook et répondre des animaux, des cafards. Afou Keïtala et sa maman Koumbala, ils ne sont rien devant toi. Maman Aïcha, tu as commencé à chanter, Afou n'était pas encore né. Tes petits-fils sales, les petits-fils Djoula là, les Djoula sales là, les petits-fils qui ont pris le bateau pour venir ici, sur TikTok hier, je vis, même ma femme n'a pas dormi hier. Tellement ils étaient vulgaires, ils étaient violents. Votre Alassane Draman là, votre Afou Keïta là, ils ne sont rien devant maman Aïcha Kone. Maman Aïcha Kone prend son téléphone, il s'adresse à Draman directement. Draman là, il a le numéro d'Aïcha Kone. Draman sait où Aïcha Kone dort. Draman Dominique Ouattara respecte Aïcha Kone. Dans la dénounou. Alors, dans l'Europe, il y a ni le cosson. Ka Burikaboya, je m'en ai encore un bateau, ta canaille, Francie. Si vous voulez insulter les gens, insultez vos promotions, pas maman Aïcha. Insultez vos promotions. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Maman Aïcha, interview là, c'est moi j'ai partagé. Il dit qu'il ne va jamais pardonner Afou. Oui, parce que Afou, sa maman allait demander pardon à Aïcha Kone. Afou est venu, que moi je m'en gavais de ça, c'est pas moi j'ai envoyé ma maman. Donc elle s'en fout. Tu avais dit que pardon de maman là, ça ne tient pas. C'est normal que Aïcha Kone dit qu'il ne va pas la pardonner. Mais la Côte d'Ivoire, mon Dieu, c'est quel pays ça? C'est-à-dire, on me fait croire aujourd'hui que Afou Keïta qui traînait dans la boue à Djamena et Michael Jackson aujourd'hui. Moi-même, je vais accepter ça. Maman Aïcha Kone passait avec sa voiture. Il a vu Afou Keïta en train de traîner ses fesses à Brémakoté, à Djamé, dans Pouchère. Il a appelé ma fille. Tu es l'enfant de qui? Moi, je suis l'enfant de Kumba. Aïcha Kone Kata. Akata Borola, elle l'a ramassé dans Pouchère pour le présenter aux gens, pour aller la laver, nettoyer, lui donner des habits à porter. N'importe quoi. Il ne faut jamais te battre pour ces gens-là. Djoula oublie très vite. Ce qui me fait mal, les petits-fils sales, sales là. Vous venez vous apprendre à Aïcha Kone. Vous êtes né quand? Vous connaissez Aïcha Kone? Du n'importe quoi. Donc, je vais vous laisser. Nous devons monter pour aller terminer les prières. Et maman Aïcha, Sabari Alakoson, je te demande pardon. Tu es ma très chère maman. Une femme digne d'être ivoirienne. Une femme digne d'être africaine. Une femme digne d'être sénifo. Je t'en supplie. Ne réponds plus ces animaux-là. Oui, il me... Et puis ils ont dit un mot. Je vous ai dit la dernière fois qu'il n'y a pas plus xénophobe que Djoula. Oui, Rosaline là, c'est une Bousmani. Tu soutiens le Bousmani contre les Djoula. Regarde-moi ça. En 2023, ils ont un tel langage encore. Parce que maman Aïcha a apporté son soutien à Rosaline Layo. Oh, Rosaline Layo là, le but là, j'ai écouté 1000 fois. Ma femme dit oui, elle a plagié le son de Aïcha Kone. J'ai dit envoyez, je vais écouter. Elle allait sur TikTok. J'ai écouté 10 000 fois. Elle allait sur Facebook. J'ai écouté 5 000 fois. Je n'ai pas vu où elle plagié dedans. Elle allait prendre un son de Afou Keïta, j'ai écouté. J'ai dit même pour Rosaline, elle a mis. J'ai dit mais où elle plagiait? Il n'y a rien dedans. C'est la haine, la jalousie. Afou Keïta avait enterré la fille là. Rosaline Nayo, Afou Keïta voulait finir sa carrière. Mais tu as échoué. Il n'y a pas plagiat. Si on doit porter plainte contre quelqu'un même, moi je ne suis pas un musicien, mais dans la musique. Si moi je viens chanter, Dom Kibafori Soro, c'est un homme politique digne. Et que toi tu viens répéter les mêmes mots là, ça c'est plagiat. Mais le but là, ça ne compte même pas. But que j'ai pris pour chanter, Dom Kibafori Soro, c'est un homme digne. Toi, tu t'en prends même but là, moi, il ne doit pas porter plein de choses. On porte plein le plagiat là. Tu es venu dire ce que j'ai chanté. Tu es venu répéter ce que j'ai dit dans mon chanson. C'est ce que moi, je sais. Rosaline Nayo n'a pas fait ça. Rosaline n'a pas fait ça. Afou Keïta raconte n'importe quoi. Elle veut se faire voir. Elle veut montrer que son papa Draman qui est au pouvoir. Elle veut se jouer commandant partout. Afou Keïta n'est rien. Je vous ai dit, hey! Moi, j'ai resté ici au téléphone à Afou Keïta jusqu'à 2h du matin. Vidéo.
Vous comprenez? Votre avocate là. On reste au téléphone jusqu'à 3h du matin. Elle m'appelle papa. Qui était derrière Soro. Alassane, c'est votre papa. Venez à la maison. On reste dedans jusqu'à 3h du matin. Afoukeita n'arrive pas à me convaincre. Elle a vu qu'il n'y a rien à faire pour moi. Elle a bloqué tous mes numéros. Moi, je m'en fous d'elle. Vous comprenez? Cette dame Afoukeita là, c'est Aïcha Kone qui l'a ramassée dans la poussière. Et Djula peut reconnaître ça au moins. Les petites filles Djula sale sale là. Et puis ta maman Kumbala même là, elle n'a qu'à fermer sa gueule. Il paraît qu'elle a fait vidéo, je n'ai pas vu ça. Elle n'a qu'à fermer sa bouche. Que maman que Aïcha est jalouse de ta fille. Ta fille là, sa carrière se limite en Côte d'Ivoire. Elle quitte la Côte d'Ivoire, elle vient à Paris. Quand elle vient à Paris là, c'est au milieu les Djula là. Son concert là est rempli par les femmes Djula. Elle se limite. C'est un regroupement ethnique. Elle, son succès se limite au lac, à Djulamanistan. Succès de Afoukeita, c'est Djula, République de Djulamanistan, c'est ça. Il n'y a rien. C'est tout. Même si elle va aux États-Unis, là, c'est les Djula qui sont dans la salle. Ça, c'est un artiste, ça. Maman Afoukeita est partie en Afrique du Sud, un pays anglophone. Il n'y a pas un pays dans ce monde que Maman Aïcha n'a pas fait. Afoukeita, à Bobo, c'est Djula. Au plateau, c'est Djula. À Djamé, c'est Djula. À Paris, c'est Djula. En Italie, c'est Djula. Aux États-Unis, c'est Djula. Maman Aïcha Kone, quand elle va au Nigeria, elle est quittée au Libéra, elle s'est libérée à ce pays de Djula. Vous comprenez? Guinée-Bissau, elle vient le quitter là-bas, c'est Djula. Non. On ne peut pas comparer les deux là. Arrêtez vos médiocrités là. Vos dramas là, il n'est rien. Oui, tu soutiens le Bousmani contre les Djula. Parce que Rosaline Nayo, elle est Bousmani. Tu le soutiens contre Afoukeita. Parce que Afoukeita même n'est pas Djula. Vous voulez qu'on parle? Elle n'est même pas Djula. Arrêtez vos conneries là. Maman Aïcha Kone, s'il te plaît. Hier, je n'ai pas dormi. Ma femme n'est pas dormi. J'ai des vidéos des animaux, des petites filles, des cabris, des petites filles, Djula, sale, sale là. C'est-à-dire, quand tu vois les vidéos, si tu te dis, c'est celle-là qui parle de maman Aïcha comme ça. Mais je dis à maman d'arrêter de répondre. Il faut arrêter de faire vidéos sur Facebook, maman, pour répondre à des fils des animaux. Tu n'es pas n'importe qui. Au fond, Boigny. Thérèse Boigny. On dormit avec toi, on mangeait avec toi. Aujourd'hui, tu n'as pas venu répondre ces fils des animaux-là. Afoukeita, elle est qui? Vous voulez qu'on parle? Maman, votre maman là, Afoukeita là, de 20h jusqu'à 3h du matin, on est en train de causer vidéo. Elle n'est rien qui était devant les gens ici. C'était ma petite vidéo pour apporter mon soutien total à maman Aïcha Kone. Très chère maman, mais Allah Dari, que Dieu veille sur toi, que Dieu te protège, que Dieu met sa main sur toi. La Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité. Médiocrité, tous les Afoukeita là, et sa maman Kumbala, et les petits fils sales sales Djula là, vont venir s'apprendre à Aïcha Kone sur TikTok. Non, vraiment, c'est dommage. Merci beaucoup à tous ceux qui ont été connectés. Voilà, on va finir de faire le dernier prière, et puis nous allons rentrer à la maison. Merci beaucoup à tous. Maman Aïcha Kone, s'il te plaît. Nous t'aimons beaucoup. Tu es la seule femme en Afrique. Quand j'ai prié pour la chute de Ouattara, là, pour la chute de Draman, là, j'ai prié que Allah te protège, que Allah te donne longue vie et la santé, que Allah te protège. Tu as tout donné à la Côte d'Ivoire. Tout, tout. Tu as tout donné à l'Afrique. Venez voir les petits filles sales de 14 ans, de 18 ans, des petites filles même là, si elles parlaient là, elles manquaient respect à nos mamans ici, qui ont traîné au Niger, en Libye, avant d'arriver ici, qui veut venir s'asseoir parce qu'ils sont arrivés à Paris, qui veut s'adresser à toi. Eh oh mon Dieu, la Côte d'Ivoire est devenue un pays de médiocrité. Maman Aoukouadjo, merci beaucoup. Que Dieu veille sur vous. J'ai fait cette vidéo-là parce que je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer à la maison. Voilà, pour finir, ici, ce n'est pas pays de Draman. Je suis descendu, je suis assis dans un coin ici, là. Prends du lait et puis nous allons monter tout à l'heure. Maman, je t'aime beaucoup. Tu es ici, maman Aïcha, femme digne de Sénifo. Ton fils est là, je te soutiens. Mais je te demande, ça fait plus de 6 mois. Neni maman Aïcha Amekere là. Ça fait plus de 6 mois. Moi et maman Aïcha, on ne tombe pas d'accord. Je lui dis, maman, s'il te plaît. Je sais que ça fait mal. C'est-à-dire, maman Aïcha, elle a un problème. Quand elle regarde son parcours, quand elle regarde ce qu'elle a donné à la Côte d'Ivoire et à l'Afrique, elle a du mal à voir les vidéos des animaux sans réagir. C'est ça qui lui fait mal. Je dis, maman, ne regarde même plus les vidéos. Quand on t'envoie là, il ne faut pas regarder. Hier là, moi j'ai eu accès à tout ce qui s'est passé sur TikTok grâce à ma femme. Parce que moi je ne regarde pas TikTok. Je ne suis même pas là-bas. Ça ne m'intéresse pas. À cause des filles Djula là,
que j'ai décidé de ne pas aller sur TikTok. Ils ont pourri TikTok. Les Chinois ont créé les trucs. Pendant que la Chine travaille, voici les Africains qui sont dessus matin, midi, soir, raconter leur sale vie. C'est pourquoi j'ai dit, je ne vais pas là-bas. C'est à travers ma femme, parce qu'elle est là-bas, elle est dessus là-bas, que je suis, elle m'a montré toutes les vidéos des petits-fils sales, sales là, petits-fils sales, djoula là, qui ne peuvent même pas laver leurs caleçons, sont en train de s'apprendre de façon violente à notre maman, la diva. J'ai été choqué. Matin, je me suis réveillé, j'ai appelé maman. Donc, j'ai dû faire vidéo pour répondre à tous ces cafards là. Voilà, moi, je n'ai pas le temps d'aller m'asseoir sur TikTok et raconter ma vie, non. Moi, je suis sur Facebook pour dénoncer la dictature de Ouattara, pour prier Allah que Ouattara n'a qu'à tomber demain. Ça, c'est mon rêve, ça. Regardez des gens qui ont pris les armes, attaquer le pays. Bientôt 15 ans, ils sont au pouvoir. Que maman Aïcha soutient Rosalie Nayo parce qu'elle est Bousmani. Il soutient les Bousmani contre les Djoula. Bon, regarde, ce genre de propos en 2023, ça sort dans la bouche d'un ethnie. Quand je parle comme ça, tous les djoulas vont se reconnaître dans la main. Je ne parle pas de tous les djoulas. Les djoulas qui défendent Ouattara. Les djoulas qui soutiennent Ouattara. Les djoulas qui défendent Afu Keïta. Les djoulas qui soutiennent Afu Keïta contre la diva Maman Aïcha Kone. Je parle de E. Nkambo Olulema. C'est de E que je parle. Ce n'est pas tous les djoulas. C'est la malédiction de Dieu. Maman Aïcha peut tomber jusqu'à ce niveau. Non. Fermez vos gueules. Si je vais rentrer dans vos dessus là, si je vais parler de vos en bas là, moi, c'est les filles qui ont passé par Niger, Libye pour venir ici. Je sais ce que vous avez traversé avant d'arriver ici. Moi, je connais. Elle, arabe, ne fait pas cadeau à une fille noire. Moi, je sais ça. Les hommes sont traités comme les... Même les hommes ne sont pas épargnés. On viole les hommes à plus fort des femmes. Ils vous êtes débrouillés. Dieu vous a aidé à entrer ici. Au lieu d'aller chercher travail, papier, fermez vos gueules, vous êtes sur TikTok pour emmerder le peuple ivoirien. À cause des petits fils sales du là, que moi je ne vais pas sur TikTok. Moi, je ne vais pas là-bas. Voilà. Il y a un de mon frère qui est dessus là-bas, Babacha Alpha, qui était avec moi en Italie ici, qui est un frère. Lui, il est dessus là-bas. C'est le même groupe là. Voilà. Babacha Alpha, quand il m'a dit qu'il s'en va à Paris, j'ai dit, mon frère, reste ici. Il ne faut pas aller ici. Si tu as besoin de travail, viens à Milan, je vais te donner. Il ne m'a pas écouté les parties. C'est lui qui est dessus. C'est un groupe. Ça dit, tous les djoulas qui sont sur TikTok, le petit fils là, regardez leur comportement. Et ils vont venir s'apprendre à notre maman, la diva Aïcha Kone. C'est ça qui m'a fait mal. Maman, plus de réponse à un petit djoula sale qui n'arrive pas à laver sa caleçon avec sa main. Même tu lui donnes lavatrice là. Tu dis, n'a qu'à mes caleçons là-dedans pour laver. Elle ne peut pas. Voilà, c'est de ça. Une fille qui ne sait pas que sa règle vient demain là, règle de moi là, que demain là, ça va venir là, qui va venir s'apprendre à toi, j'ai tout simplement mal. Mais toi, maman, tu ne dois pas le répondre. Une fille sale qui ne sait pas, mon règle de moi là, mais si là, mon règle là vient demain, ça a fini jeudi là, une fille qui ne connaît pas ça là, va venir parler de toi, j'ai mal. Mais toi maman, tu ne dois pas sortir pour répondre à cette fille là. Merci beaucoup à tous, c'était ma petite vidéo pour apporter mon soutien à ma maman. Maman Aïcha Kone, que Allah veille sur toi, que Allah te protège. Merci beaucoup à tous, assalamu alaikum.